Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tagada 83 Créa. Aujourd'hui, c'est un tout petit haul Amazon. Donc, j'ai commandé un DP, pas cher, 3,50€ en Prime. Et je suis tombée sur un qui me plaisait bien. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert. Enfin, je l'ai sorti de l'enveloppe en carton de Amazon. Et voilà. Donc, c'est un 30-30. Et ce sont des diamants ronds, il me semble. Donc voilà, ça se présente donc sous cette petite poche plastique. Et c'est une poche plastique qui ne fait pas autant de bruit que les autres d'habitude. Voilà. Donc elle est sur Amazon quand vous tapez peinture diamant, diamant peinture. Et vous tapez sur Prime. Et ensuite, vous mettez par ordre croissant. Et bien souvent, vous avez des petites toiles pas chères à 3,50€. Et ce qui est bien, c'est que vous les avez deux jours après dans votre boîte aux lettres. Donc moi, j'ai commandé celui-là. Je le trouvais trop joli. Donc c'est un espèce de petit monstre yéti avec des oreilles de lapin. Et dessus, il y a son bébé. Donc voilà, ça nous donne ça. Oui, vous la voyez bien à l'écran. Voilà. Donc c'est une 30-30. Mais alors, est-ce que c'est avec ou sans les bords? Je vais vous dire ça. Ouais, donc c'est bord inclus. Donc c'est une 25 par 25 à diamanter. Bordure inclus, c'est 30 par 30, mais sans les bords, c'est 25 par 25. Donc les symboles, ils sont nickel. Franchement, on voit bien. Est-ce que ça va faire le focus? Je ne sais pas. Voilà, voyons, il voit bien. On voit bien sa tête là, comme ça. Et ensuite, il y a le petit au-dessus. Petit au-dessus là. Moi, j'ai trouvé trop craquante. Ça fait un peu hiver parce que ils sont tout blancs, donc ça fait un peu hiver. Et j'ai bien aimé cette toile, elle est rigolote. Ça change de mon univers féerique et tout. Bon, ça reste un peu dedans en même temps, mais là, c'est plus le petit côté petit monstre gentil. Voilà. Donc, c'est une toile qui a 18 couleurs. Donc, voilà, vous voyez les symboles, ils sont quand même pas mal bien faits. Voilà. Au niveau de la colle, ça colle hyper bien. Voilà. Donc là, c'est le plastique qui est plié. C'est pas la toile, c'est pas la colle. Hein, donc, c'est pas des rivières. C'est vraiment juste le plastique qui est plié. En bas, ce qui est bien, c'est que pour ceux qui n'ont jamais fait de diamond painting, bon, c'est en anglais, mais il vous explique comment faire du DP, comment faire la toile. Donc, c'est pas mal aussi. Donc, on a le toolkit de base avec la cire, la petite barquette et le stylet. Voilà, je ne les sors pas parce que bon, ben voilà, c'est toujours pareil. Et ensuite, au niveau des diamants, donc là, c'est le sachet qui fait du bruit, hein, donc désolé. Hop. Donc, ce sont des diamants ronds. Donc, ce sont des sachets en ribambelle. Et je vais vous montrer du coup les couleurs. On va enlever la toile, comme ça on verra mieux. Donc c'est vraiment beaucoup dans les violets. Voilà, dans ces couleurs comme ça. Donc on a du gris, on a du vieux rose. On a un tout petit peu de noir. Donc c'est pas des DMC. Enfin oui, peut-être, je sais pas. Je connais pas les DMC des diamants ronds. Parce qu'en fait, ils ont tous le même code, WLL188. Donc non, il n'y a pas de DMC. Donc là, on a du gris un peu violet. Là, on a du gris clair, on a du bleu nuit, du gris un peu plus foncé, du gris très très clair, du vert bouteille foncé. Là, c'est un vert un peu, un vert cacadois. Là, on a du beige, du bleu, du violet très foncé, du marron, du violet un peu moins foncé, du parme et du rouge, un peu rouge brique. Voilà au niveau des couleurs. Donc c'est une ribambelle, donc ce qui veut dire que je vais la préparer pour la mettre dans une petite boîte. Voilà. Donc voilà pour cette toile. Ma foi, moi je la trouve plutôt pas mal pour 3,50€ et en deux jours à la maison.
Donc, je suis contente. J'en ai commandé une autre qui devrait arriver la semaine prochaine aussi. Donc, lundi ou mardi, puisque je l'ai commandée hier soir, il me semble, je ne sais plus. Ouais, hier, j'ai dû la commander. Et je vous la présenterai aussi. Mais voilà, celle-là, je voulais vous la présenter parce que bah, si jamais elle intéresse quelqu'un, au moins, vous allez vite voir sur, sur Amazon Prime et puis vous pourrez la commander. Voilà, elle était vraiment à 3,50 €. Donc, je trouve que ça vaut le coup. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo de présentation de toile. Je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!